Salut à tous, c'est Jeff. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans un restaurant qu'on a déjà fait, mais c'est pourtant qu'on l'a pas fait, alors on va le refaire. Donc aujourd'hui, direction la Cantina, c'est le restaurant qui se trouve dans l'hôtel Santa Fe à Disneyland Paris. Et c'est parti. Par les entrées, où j'ai pris une salade coleslaw. Ananas coriandre, c'est ça. Ça, c'est une salade de riz avec du thon. J'ai pris des morceaux de concombre, des œufs. Et regardez-moi déjà l'assiette qui s'est fait. Pareil, concombre, thon, œuf. Pareil, même salade. Là, j'ai pris ces pommes de terre, saucisses végétales. Ouais, je voulais la tester, mais j'avais plus de place dans mon assiette. Et ça, c'est ça de maïs, oignon rouge et mental. Ouais, j'en étais sûre, t'allais prendre. Donc, il faut savoir que c'est la deuxième fois que nous venons au restaurant à la Cantina. Oui. Et que la première fois, j'avais pas spécialement bien aimé parce que c'est un restaurant Tex-Mex. Et donc, bah, on verra cette fois si ça se passe mieux. Déjà, il faut savoir que nous avons payé à deux parce qu'on a la remise PA 59,50 €. Et hier, nous avons fait le Manhattan. Et rappelons que le Manhattan, le menu est à 55 € par adulte. Donc là, on est à 59 € déjà pour deux. Donc je me dis, voilà. C'est le buffet le moins cher de Disney. Ouais, c'est le buffet le moins cher. 5 € il n'y a pas moins cher. Voilà, c'est le buffet. Si, le David Crockett Ranch. Il a 40, je crois. Non, il a 35, il est 35 pareil. Aussi. Ouais, mais il n'est pas accessible. Oui, il n'est pas accessible aussi facilement que lui. Mais disponible aussi sur la chaîne. Oui. Il est excellent d'ailleurs, le David Crockett. Excellent découvert. David Crockett Taverne, il s'appelle comme ça, c'est ça. Oui. Voilà, donc là, on s'est dit pour le prix, on va le retester. On passe au plat chaud. Qu'as-tu pensé déjà des entrées? Les entrées sont très fraîches, très bonnes. C'était sauf la salade de pommes de terre qui m'a arraché la tronche et les lèvres. Mais sinon, le reste, le coleslaw ananas, c'était particulier. Mais sinon, le maïs émental oignon rouge, incroyable. T'as de quoi de faire une énorme salade. Là, t'as le choix. Oui, il y a le choix. On peut faire une salade composée, il n'y a pas de problème. Il y a des olives aussi, j'en ai pas pris, mais il y en avait. Ah, il y avait des olives? Oui. J'ai pas fait attention. Tout en haut à gauche, droite. Et maintenant, on attaque les plats chauds. Donc, Jab, dis-nous tout ce que tu as pris. Alors, il y a des boulettes vegan, j'ai pris deux aiguillettes de limande, empanadas à la tomate, gratin de poivron, j'ai rajouté dessus de la sauce fromagère, le poisson du jour, sauce poisson crustacé, les légumes du soleil, il y a d'autres trucs normalement. Mais non, t'es pas sérieux, encore d'autres trucs?
Non, je crois que c'est tout là. Mais t'as fait une assiette à montagne. C'est tout, oui. Alors moi, c'est très équilibré, hein. Pâtes. Ça, c'est du limonde. Oui. Limonde, c'est du poisson. Patates. Gratin de patates comme Jab, mais je pense que je vais pas aimer parce que dedans il y a du poivron et je pense qu'il arrache. Et des haricots verts. Quand même, faut faire la petite partie de légumes, hein. On est sage. Qui n'en peut plus après les plats chauds. T'as été vaincu par les plats chauds ? Mon assiette m'a un peu terrassé. J'ai entendu prendre un peu moins de gratin. Ouais. Vous avez le fait qu'elle n'est pas venue ça. Mais le gratin, il arrachait la gueule. Oui, oui. Mais si, c'est vrai. Donc non, je vais mettre un petit peu de temps avant d'aller. Mais honnêtement, il y a de quoi faire. On a regardé là, on peut même faire ses propres tortillas de. Ses propres tortillas composées. Vous avez de quoi faire votre tortilla. Enfin, c'est des demi-tortillas en fait. Ils sont gentils, ils ont pensé aux enfants. Et on peut mettre des salades, de plein de choses à mettre dedans. Et puis, je vais aller prendre mes desserts, mais pour l'instant, je fais une petite pause récupération. Oui, alors si vous venez chez vous n'êtes pas fan du Tex-Mex, ça va être le même problème que moi, c'est qu'il y a plein de plats que vous pouvez pas prendre parce que ça arrache. Et il n'y en a pas tant que ça. Bah, et le gratin, je pensais, il y allait aussi, c'était marqué pour Avron, mais j'ai tenté et non, je suis tombée sur un morceau qui arrachait. Il y a le riz aussi, riz mexicain, il l'arrachait. Moi, encore une fois, on n'a pas essayé toute la viande. Oui, après, non, on mange pas de viande. Donc, aussi dans la vidéo, vous verrez pas de viande parce qu'on mange pas de viande. Mais sinon, vous pouvez faire comme moi et piocher un petit peu à droite et à gauche et manger voilà, des choses. J'ai tapé beaucoup dans le buffet des enfants. En fait. Là-bas, c'est une valeur sûre. Je passe au dessert. J'ai pris, alors ils font en fait les yaourts à la grecque et dessus c'est des morceaux de dain, un gâteau au chocolat. Et j'ai oublié de vous filmer, mais en fait vous avez des glaces à disposition. Donc c'est, là c'est vanille fraise et il y avait chocolat vanille. Pour les enfants. Je suis une enfant, oui. Ça y est, Jab a été chercher ses desserts. Donc t'as pris, comme prévu, le truc au chocolat framboise. J'ai pas, ça c'est ça le chocolat framboise? Ouais, c'est ça le chocolat framboise. J'avais pas d'étiquette. Mais c'est chocolat framboise, c'est ça. Ça j'ai pris en me disant bon, je sais pas ce que c'est mais. Mais c'est ça ouais. Et ça c'est une tartelette au chocolat avec une roue. Une roue au chocolat blanc. Pour appeler Carls. Et ça, il m'a intrigué, c'est un fromage. Bien sûrement que t'as pris du fromage. Un fromage aux trois laits. Vache brebiche avant. Tu vas pas aimer ? T'aimes pas le fromage ? Attends, je vais voir ta tête. Parce que je sens que tu as une tête épique. On avait lait brebis chèvre et j'ai trouvé le fromage bon. Donc là, je me dis, avec de la vache en plus, il n'y a pas de raison que ce soit moins bon. Ouais, vas-y. Bon, là. En vrai, c'est doux. Non, mais c'est doux. C'est qui ? Non, mais goûte. C'est giga doux, forcément, j'aime. Oui, c'est très doux. Ok. Mais au niveau de dessert, il n'y a pas tellement de choix. Il y a du choix, mais il n'y a rien qui m'emballe. Bah, pareil. Et puis, en vrai, honnêtement, il y a beaucoup de mangue de partout. C'est ça. La mangue, on n'aime pas trop ça. C'est ça, exactement. Mais bon, il n'y avait pas de fruits, comme d'habitude, mais il y avait une salade de fruits de poisson. On est d'accord. Bon, je vais éclater. J'avoue. On a réussi à s'éclater la coutinone. Bah, surtout toi. J'avoue. Toi qui as gagné une mauvaise image, au final, ça a super bien marché. On a beaucoup mangé. Les desserts, bah, on a trouvé qu'il n'y avait pas énormément de choix parce que, bah, comme nous, si vous n'aimez pas la mangue, il y a énormément de desserts à base de mangue. Ouais, mais point positif, il y avait une machine pour faire des yaourts à la grecque. Oui. Et ça, c'était très bon. On l'avait eu où aussi ? J'ai pas de souvenir qu'on ait déjà vu ça. On en a eu une. Je sais plus où. Bah, c'est où qu'on a mangé la dernière fois ?
C'était un truc de glace, pas yaourt à la crème. Est-ce qu'on a mangé un truc à la glace? Ah, bah c'était au Billy Bob, je crois. Il y avait c'était de la glace. Non, c'était de la glace. Il me semble qu'on l'a fait, mais je suis pas sûr. Vous avez une machine à yaourt, mais pas de machine à glace. Très bien. Voilà. Tu vois bien? Bonjour. Parfait. Et ben ça, pour savoir, c'était celui qui nous a placé dans la salle du Saint-Avé. Voilà. Oui. Non, super accueil, super cast. Oui. Alors, honnêtement, sur la première vidéo qu'on avait faite, j'ai trouvé que les castes qui nettoient les tables étaient vachement oppressants, genre à regarder. La toute première fois, voilà, oui. À regarder, à attendre limite à votre table que vous ayez terminé avec votre assiette. Là, honnêtement, on les a peu ou voire pas vus. Oui, c'était très bien. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable. Et ça changeait, c'était cool, oui. Honnêtement. On a passé, franchement, on a passé un bon moment. Oui, la salle est très calme. Enfin, la salle n'est pas calme parce que malgré tout, en fait, ce qui est important d'être dans cette salle, dans ce restaurant que vous n'avez pas les autres restaurants, c'est que vous avez une aire de jeu, une petite zone où on vous met les images à l'écran, où vous avez en fait une zone où les enfants peuvent aller jouer, où vous avez des dessins, où vous avez une petite table interactive, en fait, vous avez des mini-jeux tactiles, ouais. Comme une grande tablette. Puis ils peuvent faire des dessins, ils peuvent jouer, enfin, ils ont un petit coin à part et c'est vachement bien. Ça permet justement de, en quelque sorte, canaliser le bruit. Pour les enfants les plus excités, parce que le soir, il y en avait énormément qui dormaient sur les tables. y en a qui étaient excités, qui avaient cette petite zone pour jouer, donc c'est cool, bon point. Et sinon, très, très bon... Non, oui, oui. Très bon deuxième round, on va dire. Oui. Excellent deuxième round. Pour moi, c'était beaucoup mieux que la première fois. Voilà. Genre vraiment, moi qui n'aime pas le Tex-Mex, j'ai réussi à me caler, je suis blindée. Donc on rappelle 35 euros, oui. Je sais pas ce que c'était. C'était l'antivol. 35 euros sans remise passe annuelle. Avec la remise passe annuelle Infinity, on en a eu pour 59, donc moins de 30 euros par personne. Donc honnêtement, ça va. Vous avez une boisson soft inclus. Ouais, en plus. Voilà. À récupérer au bar, c'est vrai que c'est particulier ça par contre, parce que là du coup ils vous amènent pas la boisson, vous allez la chercher. C'est pas grave. C'est pour rester dans le roleplay de la cantine. Voilà. Voilà. Non mais oui, un très bon. Oui. Bon, il est un peu loin si vous dormez pas au Santa Fe. Oui, clairement, il est un peu loin. Parce que là, par exemple, nous, on passe la nuit à l'hôtel New York. Donc, du coup, ça a été un peu pénible parce que du coup, il a fallu qu'on se déplace jusqu'à la cantine, qui est un petit peu loin. Mais si vous êtes à l'hôtel Santa Fe, c'est un très bon choix. Vous mangerez très bien. Oui. Voilà, c'était notre deuxième round. Et voilà, meilleur souvenir que la première fois, donc c'est cool. Oui. Donc, moi, j'avais pas été déçu la première fois et la deuxième fois, non, ça a été. J'ai peut-être un peu chargé mon assiette. J'aurais peut-être dû être un peu moins gourmand. Mais très bon restaurant. Bon, voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez la cantina, si ça vous a donné envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Oui. Sur ce, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.